gardien à Westmount. Ouais. J'ai rentré dans l'armée pour voyager. Voyons, voyons, ma petite fleur, voyons, 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 voyons. Écoute, faut pas se réveiller le cœur pour un garçon. Il est 13h10, heure de Londres. Les nouveaux mariés font leur apparition. Bonsoir, mesdames et messieurs. La télévision a quelque chose d'unique. La télévision, c'est le moyen de communication de masse capable d'atteindre des gens par millions en même temps, mais toujours un à la fois, chacun chez lui. C'est sans doute ce qui explique ce rapport très particulier entre les personnages de la télévision et le public, qui les aime, qui se retrouve en eux. C'est à la télévision, celle de Radio-Canada, en premier lieu, que les francophones d'ici se sont connus, dans des personnages qui exprimaient ce qu'ils sont. C'est aussi à la télévision qu'ils ont vécu les mêmes événements, les exploits, les épreuves. C'est la télévision qui a fait de la planète un village global. Nous avons tous vu, ensemble, l'homme marcher sur la Lune. Nous étions tous là quand les deux tours de New York se sont effondrées. Alors ce soir, les artisans de notre télévision racontent leur rencontre et leur complicité avec le public, avec vous. C'est la télé qui a créé ici le vedettariat, un phénomène avec lequel nos premiers artistes et le public ont tous deux dû apprendre à vivre. Radio-Canada vous invite à assister au Gala des Splendeurs, au Colisée de Québec. J'ai connu ça parce que c'est grâce, je pense, aux survenants que j'ai obtenu la faveur populaire quand, à ce moment-là, il y avait les Miss Radio-Télévision. Je mettrais ça à 90% sur le personnage d'Angelina. C'est un Metro Star d'époque, ça. Ah, oui, tout à fait. Ah oui, c'était une belle époque, d'ailleurs. Moi, j'ai aimé ça. J'étais ravie. D'ailleurs, vous savez, c'est très revalorisant de savoir que le public vous aime. Je trouve ça le merveilleux. En ce troisième jour de mai de l'an de grâce 1958, de par la mansuétude de Radio Monde et de par la volonté du peuple bien-aimé, il nous incombe la tâche trois fois douce et l'honneur trois fois béni de proclamer la toute gracieuse demoiselle Béatrice Picard, de bonne et franche noblesse radiophonique et artistique, Miss Radio Cinéma Télévision 1958. Et là, je reverrai toujours quand on arrive au Colisée, puis là, tous les artistes étaient arrivés avant moi, et finalement, tu sais, comme dans un mariage, dans un défilé de mode, la reine arrive après. Il n'y a rien de trop beau pour la reine. Ah, c'était... Hein? Mais tu sais, le conte de fées, là, ça se peut pas. Je l'ai vécu, moi, ce conte de fées, là. Radio-Canada présente... Music Hall! C'est arrivé avec Music Hall, Miss Radio, Télévision, tout ça. Ça, c'est absolument extraordinaire. Quand vous sortez dans la rue, tout le monde vous connaît. Mais à cette époque-là, il fallait qu'une femme soit tirée à quatre épingles. Il n'était pas question de sortir en jean ou d'avoir les cheveux un peu une mèche rebelle ou quoi que ce soit. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à... Ah, je sais que vous m'attendez. Vous pensez que je vais dire à la 101e émission de Music Hall. Et je vous avouerai que c'est bien tentant parce que c'est un chiffre assez impressionnant. Mais enfin, quand on sortait, alors là, c'était vraiment l'adulation. Mais vous connaissez ça vous-même. Alors, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Et puis,
ça ne m'a jamais causé de désagrément. Ça m'a apporté une tendresse de la part du public. Et aujourd'hui encore, quand j'ai publié mon livre il y a maintenant près de 2 ans, j'ai fait tous les salons littéraires. Oui. Alors, vraiment, l'affection, là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Parce que les gens, au fond, ils découvraient le monde dans bien des cas. Hein. La télévision, c'était... Moi, j'ai encore des jeunes femmes aujourd'hui qui me disent, j'étais là dans mon village et je vous voyais, je me disais, si elle peut, moi aussi, je pourrais le faire. Vous avez la chair ferme, ma chérie, mais ferme. C'est à cause de Napoléon qui m'a entraînée. Au début, ça ne m'était pas tout à fait plaisant de me faire arrêter dans la rue parce qu'on m'appelait Ovid. Et aussi, il y a toujours un danger d'être pris pour le personnage qu'on joue. Et je me rappelle très bien qu'entrant en scène dans Don Juan, je jouais Don Carlos. Don Carlos a 2 scènes, donc s'il en rate une, c'est la moitié du rôle qui y passe. Et en entrant dans ma première scène, je viens de me battre, Don Juan vient de me sauver la vie. Et on entre avec Jean Gascon, tous les deux, à bout de souffle, parce qu'on s'est battu. Et j'entends très, très, très clairement dans la salle quelqu'un qui dit « C'est Ovid !» Alors évidemment, ça m'a coupé les jambes. Ce côté-là m'était assez, assez désagréable. Après, mon Dieu, je m'y suis fait. J'ai compris que, bon, c'était, si vous voulez, la rançon du succès, et qu'il ne fallait pas bouder ça, parce que les gens n'étaient jamais, ou très rarement, indiscrets. Ils nous approchaient toujours de façon délicate. Sauf une exception. Un jour, je me rappelle, on avait été boire un verre de bière dans une taverne près du studio, et il y avait un buveur qui était un petit peu... Qui était entré avant vous. Qui était entré avant nous, et qui nous a aperçus. Alors, à la famille, plouf. Alors, il nous a passé les uns après les autres, Guillaume, Napoléon, le père Plouf, Ovid. Oh ben toi, t'as l'air aussi bête, c'est cette qu'à la télévision. Galant. Salon pour lire tes comiques. Monsieur est comique. Tu vois quelle est ma situation, Alexandre. Je discute de ma carrière d'écrivain devant mon jeune frère qui lit les comiques. Mais c'est payant, tu sais, écrire des comiques. Je me souviens quasiment de mon premier voyage à Hull, chez mes parents qui habitaient coin Saint-Laurent et Kent, dans le vieux Hull. J'étais arrivé là, mais en l'espace de 10 minutes, la rue a été remplie, à tel point que le chef de police a téléphoné à mon père, qui connaissait très bien, vous savez, dans ces petites villes, tout le monde se connaît. Il a dit, disons, qu'est-ce qui se passe chez vous? Il y a une espèce d'attroupement terrible. Mon père ne sait rien, c'est mon gars. Alors, c'est que les gens avaient appris, tous les voisins, tout ça. Alors, ils venaient chercher des autographes et tout ça. Dix moutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins, 6 canards, 5 fourmis, 4 chats et 3 poussins, 2 belettes et une souris. Une souris verte. J'aime ça, moi aussi, avoir ma vie privée. Les gens aussi, je ne dois pas être la seule, parce que les gens sont plus respectueux maintenant. Tu sais, que tu es en train de manger ta soupe. Hey, souris verte, pouf, le nez dans la soupe, là. Ça arrive moins. Puis les gens te regardent, puis te font. Là, c'est poli, c'est gentil. Et c'est comme un hommage. Je crois que tu le prennes comme un hommage. C'est la découverte de l'année à la télévision. Dominique Michel. Je pense que c'est le public qui aime le plus ces artistes. Ils sont très respectueux. Ils sont très gentils. Les gens viennent, disent, je peux vous féliciter, puis vous savez, je vous aime beaucoup. C'est très gentil. Les gens sont très polis. C'est sûr que dans le monde entier, il y en a des impolis, puis il y en a des pas fins, là, mais tu sais, je veux dire, on prendra pas un petit exemple pour mettre ça sur les gens. Quand on fait, disons, un insuccès, parce que ça m'est arrivé de faire des insuccès, ils font semblant que ça n'a pas existé, ça.
comme il t'en parle pas. Alors, pas pour te vexer, te choquer, non. C'est une erreur de parcours. Nous autres, on le sait aussi quand on se plante. C'est pas parce qu'on n'a pas travaillé fort, puis c'est pas parce qu'on n'a pas voulu que ce soit bon, puis c'est pas parce que. Et le public fait semblant que ça... Non, pas. En tout cas, il te rappelle juste tes succès, juste tes bons coups. C'est comme des bons parents qui t'aiment et qui te pardonnent tout. Je suis allée aux chutes Niagara. Un voisin m'a dit, chut, écoutez tomber ça. Moi, j'ai roulé ma bosse, je connais l'univers. J'ai même roulé carrosse, oui, et j'ai roulé les airs. Je me souviens, pendant les Olympiques, aux 20 minutes, Virginie, c'est moi, il y avait des pubs. Je me dis, oh mon Dieu. S'il faut que ça soit pas bon puis que le monde n'aime pas ça, ça va être l'enfer. Mais parce qu'on la voyait, elle était placardée partout, là, Virginie, avant que ça commence. Virginie, c'est ma meilleure amie. Je l'obstruis. Virginie, c'est la blonde de mon père. Ah, c'est la femme de ma vie. Je pourrais pas vivre sans elle. C'est mon héroïne. C'est moi. Donc, je me sentais, oui, une grosse responsabilité. J'ai eu un stress assez important par rapport à ça. Mais une fois que la machine est partie, puis que là, c'était nouveau dans ma vie pour moi de faire mon épicerie, puis de me faire dire c'est Virginie, de marcher sur la rue Saint-Denis, puis d'entendre c'est Virginie en arrière, c'était quelque chose que j'avais comme jamais connu. Alors ça a été une nouveauté. Mais, tu sais, peut-être quand tu joues un personnage vraiment pas fin, ça doit être lourd, tu sais. Mais Virginie, elle a la cote. Alors, c'est toujours gentil, c'est toujours sympathique. On n'est pas des poéteux. On n'est pas des quêteux. Mais, très chère Virginie, c'est notre cadeau avant l'été. Si on t'avait pas eu, je sais pas où on serait. On t'aime bien. Ouais, on t'aime. On t'aime gros, puis l'an prochain, on va être là avec toi. Merci. Merci, Virginie. Je pense aussi qu'il faut être un petit peu pas toute là dans sa tête pour aller constamment s'exposer au jugement des gens. Parce que ça, là, c'est un package deal. Hein? On se fait juger pour le travail qu'on fait, et ça, c'est tout à fait légitime. Les gens ont le droit de dire « est pas bonne, elle est bonne, ça, j'ai pas aimé ça, ça, j'ai plus aimé ça. » C'est le résultat qui compte, ça n'a rien à voir avec tous les efforts qui sont derrière, c'est ça le problème. Exactement, mais aussi, on est jugé pour notre travail, mais aussi pour ce qu'on est personnellement. Et ça, c'est plus difficile. Je sais pas s'il y a un lien à faire, mais c'est l'émission de la Saint-Valentin et Patrick Huard est avec nous. Bonsoir, Patrick. Mais ce qu'on est personnellement, vous faites allusion à cours vedettariat ou quoi? Là? Bien, ne serait-ce que notre choix de cheveux, de coiffure, nos vêtements, notre poids, notre vie amoureuse, ce qu'on pense de tel ou tel sujet, c'est le jugement est là constamment. Bonne Saint-Valentin! Bonne Saint-Valentin! Je te remercie et bon match. Amuse-toi bien, sois pas trop mauvais perdant, OK? Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. On s'en reparlera. OK? Moi-même, là, je vais donner un exemple qui est totalement loin de nous, mais Julia Roberts, moi, je trouve que c'est une actrice formidable. Je trouve que c'est une belle fille. Elle a l'air super sympathique. Et ça m'intéresse de savoir avec qui qu'elle sort, puis pourquoi qu'elle a laissé l'autre. Puis j'en fais pas une maladie. Je parle pas de ça tout le temps. Mais si je vois un article là-dessus, je vais le lire. Parce que c'est pour satisfaire une curiosité personnelle. Donc, je comprends ça. Et si je passe ma vie et toute ma carrière à seulement répéter partout en entrevue, oui, la fureur, c'est le vendredi à 20h. Oui, j'ai un nouveau projet, je vais jouer dans telle émission. Et oui, je vais faire telle chose. À un moment donné, les gens ne peuvent plus non plus s'identifier. Tu sais, des fois, j'entends des gens dire, je travaille sur une émission, mais tu sais, il y a peut-être 200 000 qui nous écoutent. Moi, chaque fois, je dis, hey, 200 000 personnes. C'est, tu sais quoi, 200 000, là? C'est 4 fois le stade olympique rempli full pack. Puis là, je te vois dans la cafétéria, pas motivé, parce qu'il y a juste 4 fois le stade olympique qui écoute ton émission. Hey, le tata, t'es un privilégié, là. Moi, ça, je peux pas concevoir ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Même s'il y en avait 100, tu te forces.
Il y a des gens, j'ai mes amis, moi, qui font des shows de théâtre à Licorne. Il y a 62 personnes. Ils se désarment à chaque soir. Puis là, tu as un privilégié de la TV qui ne rejoint que 200 000 personnes. Hey, moi, ça, pour moi, c'est inacceptable. C'est tout plate. C'est tout plate maintenant, notre TV. Les quiz sont toutes pareilles. Les talk shows, c'est tout le même moule. Ils invitent tout le temps les mêmes invités. Nos mini-séries, c'est toujours les trois mêmes comédiens qui jouent dedans. Gars, même les annonces sont débiles. C'est bien. C'est bien plate. Ben oui, je me suis demandé pourquoi tu passes 40 heures par semaine à écouter ça. Hein? Dans une zone de turbulence. Où est-ce qu'elle est partie, la mer? Nulle part, ma chouette. C'est la marée qui s'est arrêtée. Une femme en quête. Pensez-vous vraiment que la vie des gens est en... En bonheur encore à venir. En attendant Godot, de Beckett, le misanthrope de Molière, le menteur de Corneille, le revisor de Gogol, Scrooge, inspiré de Dickens, de grands textes, dans un grand théâtre, à vous offrir en abonnement au théâtre Denis Pelletier. Roy Martineau pour l'électro. Non, je dis non. Ouais, ici, il y en a. Ben oui, la nord, la nord, la rivière du nord, on s'y la nord. On peut parler où? Qu'est-ce que c'est? Désire quoi? Cette semaine, c'est le facteur qu'on dessine, mais il faut bien le voir, il faut bien le regarder. Bon, on sera très difficile cette année. Il faut de beaux dessins avec beaucoup de couleurs. Ah, là, ici. C'est comme eux autres, ici. Un petit peu, dans le garde la vérité dans plein village. Septième Nord. Voyons donc, maman, pleurez pas comme ça. Excusez-moi, je suis folle. Excusez-nous. Mais on va vite dans ce quartier avant de donner. Ah ouais? Et puis le jardin, il va donner toutes sortes de légumes. Dominique, je t'en prie, juste une fois, je t'en supplie, Dominique. Non, il n'y a pas de je t'en supplie, Dominique, c'est non. Formidable. Eureka, j'ai trouvé. T'avais perdu quelque chose? Mais non. Voilà comment je lancerai ma capsule. Ah, oh, monsieur, patron, vous êtes ce soir? Ah, Mario t'es vu manger ici. C'est un bon restaurant. Oh, Steinberg. As-tu entendu? Chut, tatoué. C'est-il un os? Au fait, c'est madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Refuser mon scénario pour la troisième fois. C'est pas vrai, je vous crois pas. Les imbéciles, je sais pas qui ils payent pour lire, mais ils connaissent rien là-dedans. Étais-je dangereux? Non merci, je suis totalement désaltéré. J'ai bu à la source de tous mes plaisirs. Paul, ta famille, je voulais pas connaître. Je te le disais, mais tu faisais semblant de pas m'écouter. Au-delà du vedettariat, au-delà de la célébrité, l'attachement du public d'ici à sa télévision, c'est d'abord un attachement à des personnages auxquels il s'est identifié et continue de s'identifier. Tu sais, la langue, c'est juste un muscle, hein? C'est comme un mollet, mais dans la bouche. Mais c'est motard, il ne trouverait pas. Un attachement qui a créé une relation très particulière. Unique, même. Regarde l'autre amoureux transi qui se ramène. Le public québécois se distingue d'à peu près tous les marchés de télévision depuis plusieurs années. C'est que dans les 30 émissions les plus regardées au Québec depuis des années, depuis 25 ans, il y en a 28, c'est des émissions québécoises. Alors que, et ça, c'est un phénomène unique dans le monde. Dans certaines émissions, il n'y a pas beaucoup d'intrigues, il n'y a pas beaucoup de coups de théâtre, de moments de grande émotion, il n'y en a presque jamais. Mais il y a des personnages qui sont là, qui vivent, qui ont l'air de vivre, enfin, la tasse de café dans la cuisine, puis bon, qui parlent, qui font de la conversation. Et l'intérêt de la conversation n'est pas très fort.
Tiens, Roger, je t'ai mis un sucre pour toi. Ouais, mets-le là, là. Ce qui est fort, c'est l'être humain qui est là et le public aime ça. Et ça, ça me semble plus... C'est plus vrai, je pense, des Québécois. De s'attacher à des personnages qui ne vivent pas tellement leurs drames, mais qui parlent des drames qu'ils vivent. Il n'y a que faute de rassurant là-dedans, puis de sympathique. T'as besoin de parler, hein? Ouais. Roger veut pas que j'aille travailler. Tu as demandé son avis? Non. J'ai raconté ce que le dentiste m'avait proposé, puis il veut rien savoir. Quand je crée des personnages, c'est une belle partie. Et moi, je procède avec les personnages. Je pense que c'est ça qui commence n'importe quel projet. Parce qu'une histoire, si on dit, je sais pas moi... C'est quelqu'un qui gagne 1 million. C'est une histoire. Mais si on dit Rénal Paris gagne 1 million, c'est très différent que si on dit Thérèse gagne 1 million ou Timmy gagne 1 million. Tu sais, le 2 piastres qu'on a gagné à l'auto, là, oui. Ben, c'était pas vraiment vrai. Oh! C'est pas grave, ça, crétin. Ce qui est un petit peu plus grave, c'est que c'est pas 2 piastres qu'on a gagné, c'est 6 millions. 6 millions? 6 millions? Eh, j'ai bien oui 6 millions, crétin! Tu as bien oui 6 millions, piston. Bison, pinson! Mais écoute, mais c'est pas grave du tout, ça, crétin! C'est ce qui est un petit peu plus grave, là. C'est que, vu que je voulais pas te faire sauter à patate, j'ai tout donné l'argent à la Fondation des maladies du cœur, tu comprends? D'un gars, une fille, c'est pareil. Un gars, une fille, c'est des personnages très bien typés et tellement bien définis. Puis les personnages de Guy Fournier, c'était comme ça. Puis les beaux personnages à la télévision, tu sais, l'autre jour, quelqu'un me disait, je parlais avec Luc Dionne, puis il me disait, tu sais, Séraphin, là, on sait pas du tout Séraphin ce qui est arrivé comme histoire. C'est quoi l'histoire de Séraphin? Il n'y a pas d'histoire, Séraphin. Mais qui est Séraphin? On le sait, par exemple. C'est un avare, c'est un commissaire comme ça. Puis en prenant soin de mon père, je te désobéis pas. Je reste quand même soumise à toi. Veux-tu bien me dire où c'est que t'as pris ça, ces idées-là? Dans mon cœur. Surtout qu'on se trouve 2 jours avant Noël, je fais mon devoir de chrétienne. Ton premier devoir, c'est de m'obéir. Je te défends d'aller voir ton père sans permission. T'as compris, Donata Laloche? Toi, la fille de François-Xavier Laloche? Alors, des beaux personnages, ça amène des belles histoires. Et ça amène des histoires, ça. Ça part souvent des personnages. C'est la clé, je pense, de l'écriture des personnages. Allô? Allô? Hey, maman, il y a assez des beaux garçons dans ma classe, là. Il y en a qui ont échoué jusqu'ici. Il y en a un, entre autres, là. Ça a été le vrai coup de foudre, là. Tu sais, l'amour avec un grand A. On s'est regardé, là, puis ça a cliqué. Ça recommence. T'avais pourtant dit, toi. Oh, laisse-le donc faire. À son âge, j'étais pareil. Hey, père, j'ai trouvé 4 gars qui jouent de l'instrument. S'il m'offrait une batterie, on pourrait l'avoir, notre orchestre. Toi, tes classes passent avant la musique. Gérard, laisse-le donc faire. C'est un artiste, Gérard. Oui. Le bonheur d'écrire, c'est d'inventer. Créer, c'est être Dieu, créer du monde. Et ça se crée avec l'expérience. Salut! Demain, on manifeste contre l'ouverture des classes en septembre. On n'a pas assez de vacances. Oh! Que je te vois, toi! Hey, c'est pas bête, ça! Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis heureuse quand j'ai tous mes enfants avec moi. Oh, quelle famille. Tu prends un tic d'un, tu prends le charme de l'autre, tu prends... Et puis tout à coup, tu fais un personnage basé sur quelque chose que tu as vécu ou quelqu'un t'a raconté. C'est une pure création, mais qui vient de tout ce que tu as accumulé. Bon, comme je suis une femme, je parle beaucoup en termes de cuisine. Tu as des ingrédients dans ton armoire. Puis tout à coup, tu décides de faire un plat avec tes ingrédients. Le talent, c'est de savoir choisir les ingrédients pour que ce soit bon. Là, j'ai jamais entendu parler d'un lac. Parce qu'on est sur l'ancienne terre du Père Mercure. Personne n'a jamais passé de t'en parler. Mais c'était nous autres, c'était un peu comme les filles de Caleb. Oui.
Moi, je ne suis pas un bûcheron, je ne serai jamais au Villa, puis ça ne m'intéresserait pas de vivre dans ce temps-là, mais cette émission-là, elle était tellement bien précisée au niveau des personnages puis du lieu qu'on était tous des bûcherons, puis on était tous des institutrices, puis on allait tous faire l'amour dans la forêt l'été, tu sais. Des originalités de notre télévision, c'est justement cette rencontre entre de grands écrivains et la télévision. Chacun en a profité. Nous, on était chanceux au Québec. C'est qu'en France, il y avait une littérature, il y avait une cinématographie, je veux dire, qui faisait vivre les artistes. La télévision a toujours été considérée comme quelque chose de négligeable. Ici, il n'y a pas un artiste qui peut vivre uniquement de ses livres. Tu sais, il y en a peut-être un ou deux. Alors, quand la télévision est arrivée, puis on était, là, je veux dire, dans une période qu'on a appelée la Grande Noirceur, etc., toutes les forces vives, intellectuelles, sociales, etc., sont emparées de la télévision et en ont fait quelque chose d'important. Ici, là, un auteur comme Victor Lévy-Beaulieu, il écrit pour la télévision à peu près tous les ans. J'ai pas honte d'avoir essayé. J'ai honte, parce que je ne suis pas arrivé à rien de plus que n'importe quel homme. Au bout de ma vie, sans que rien soit réglé. On ne règle jamais rien, parce que si le monde existe, c'est pas pour autre chose que de se dérégler. C'est comme un cancer. Ça bourgeonne, ça fleurit, puis ça explose. Mais ça, j'imagine qu'être bon raconteur d'histoire, c'est le cas au théâtre, au cinéma, oui, comme à la télévision. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce que la télévision de particulier? La télévision de particulier, bon, je vais vous donner la différence entre le théâtre. Le théâtre, c'est 20 % d'action, 80 % de mots. Oui. La télévision, c'est moitié-moitié. Moitié mots, moitié action. Cinéma, 20 % mots, 80 % d'action. Jeannette, elle savait raconter une histoire. Claude-Henri Grignon savait raconter une histoire. Louis Morisset, Madame Ridaise aussi. La même chose qu'aujourd'hui. Je pense que les téléromans qui cartonnent, c'est des auteurs qui savent raconter des histoires. Ah, c'est fucké, notre affaire. J'en ai plein de cul. De moi? Mais pas de toi. La vie, hostie. Ben, tant qu'on est ensemble, ça va? Il faut tout le temps se cacher. Je te le dis, il faut qu'on sacre notre camp. J'ai l'instinct des choses qui fonctionnent dans les textes que j'écris. J'ai l'instinct de, oui, il faut finir ça comme ça. Je finis j'essaie de finir mes épisodes avec un punch, mais ça, c'est pas une recette, parce qu'il y a bien du monde qui vont essayer de finir avec des punchs, mais c'est ce que tu mets avant, c'est ce qui t'amène au punch qui va être intéressant pour les gens. J'aime la surprise. J'aime ça surprendre les téléspectateurs, parce que moi, j'aime ça être surprise aussi. Et toi, petit voyou, je te conseille de quitter mon chemin. Tire. Virginie, c'est un téléroman quotidien. Je pourrais pas faire Fortier avec juste deux versions ou musicales. C'est pas vrai. Parce que c'est des séries et ça coûte entre 800 et 1 million de dollars. Virginie, c'est 50 000 piastres la demi-heure. Je pourrais pas écrire 120 demi-heures. Je pourrais pas faire 8-10 versions. C'est pas possible. Mais ce qu'il y a dans Virginie, les gens acceptent, cette façon de faire-là parce qu'ils comprennent que c'est un téléroman quotidien. Mais comparez-nous à ce qui est comparable. Comparez ce qu'on fait, notre gang de Virginie, à General Hospital ou à, je sais pas, n'importe quel soap américain. Et venez me dire qu'on fait pas mieux qu'eux autres. C'est ça l'important.
50 heures de programmation spéciale. De grands moments de télévision qui sauront vous faire sourire, vous émouvoir. Pendant tout le week-end, jour et nuit, plus de 50 émissions qui ont marqué leur époque, qui ont bercé notre jeunesse ou celle de nos parents. Radio-Canada vous ouvre l'album de son histoire. Pour connaître l'horaire détaillé de cette programmation spéciale, consultez la grille horaire du Voilà, le week-end de nos 50 ans, vendredi, samedi et dimanche. Mesdames, Messieurs, les caméras de la Société Radio-Canada sont aujourd'hui à Trois-Rivières, au cœur du Québec, alors que la population de toute une province, la province française du Canada, va rendre hommage, par la prière, à l'un de ses fils les plus illustres, l'honorable Maurice Duplessis. La télévision n'a pas été qu'un instrument de culture et de divertissement. Elle a aussi été un formidable moyen de s'informer, un accès au monde, souvent en direct et surtout très vite, à la grandeur de la planète. Ma première pensée par rapport à la télévision, ça n'a pas été la fiction. C'était pas ça du tout. C'était l'idée de pouvoir voir ce qui se passait ailleurs. Quel média extraordinaire qui te permet non seulement d'écouter, mais de voir au moment où ça se passe. Moi, je trouvais ça, je me disais ça, ça peut pas. Comment les journaux, comment la radio va survivre à un coup pareil? Pour moi, c'était ça. Et ça continue d'être ça, l'essence de la télévision. Parce que, bon, c'est sûr que c'était un moyen d'entertainment qui est fascinant, qui est extraordinaire, c'est évident. Et j'ai fini par passer une grande partie de ma vie à faire de la fiction pour la télévision. Mais il reste que pour moi, la vraie force de la télévision, ça réside dans le direct, dans la possibilité de capter un événement, de le retransmettre au monde entier au moment même où il se passe. Pour moi, c'est ça, la vraie force de la télévision. À l'école Ville-Mère, à Sainte-Rose, à un moment donné, le directeur avait cancellé les cours. Puis il nous avait rassemblés dans la grande salle qui faisait office de gymnase puis de lieu de rassemblement. Il y avait une télévision. Puis il nous avait fait écouter les funérailles de John Kennedy. Et ça, tu sais, c'était un moment, tu sais, wow! C'était quelque chose, c'était le président des Unis. Bon, t'es pas bien vieux, là, t'sais. Mais ça poussait l'idée du rassemblement, de partager quelque chose. Puis c'était une espèce aussi d'ouverture sur ce qui se passait à l'extérieur. Puis c'était du noir et blanc. Puis le son n'était pas toujours parfait, mais c'était vraiment des moments. En tout cas, celui-là, c'était un moment qui m'a beaucoup. Qui m'est resté longtemps. T'sais. Alors, c'est le village global, au fond, sans le savoir. Bien, un peu. Qui commençait à point. Un peu, tu sais, c'est... je pense que ça décrivait bien, dans le fond, l'ensemble de ce qu'apportait la télévision. T'sais. Puis je me rappelle, on était rentré, la télévision était là comme un trophée dans la grande salle. L'impact du direct, moi, c'était... Évidemment, j'ai cessé d'en parler il y a plusieurs années parce que je datais déjà. Mais c'était la chose qui était, à mon humble avis, qui correspondait le plus à ce que moi, j'appelais la télévision. Wow. Alors, ce sont vraiment des images voilà, exceptionnelles que nous avons. Voilà, il y est maintenant. Il va servir tout d'abord du sol lunaire. C'est la première chose qu'il doit effectuer. Quand, par exemple, le premier pas sur la Lune s'est fait, c'était la télévision en direct du film. Ça n'avait pas été au labo, puis monté. Il était là. L'être humain mettait le pied sur la Lune. Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar flag system. Up now. Beautiful, just beautiful. Des événements qui ne sont pas tous autant à la gloire de l'humanité et qui vont montrer des images comme on n'en avait jamais vu et faire découvrir la force de mobilisation et de rassemblement de la télévision. Pierre Castonguay,
me dit un matin, il me dit, écoute, il dit, je viens de voir un film, viens voir ça. Il dit, c'est vraiment quelque chose d'insensé. On avait reçu ça de la BBC ou de ITV, d'une chaîne britannique. Les gens étaient en train de mourir de faim en Éthiopie. Et puis, il y avait là-dedans un plan, Bernard, que je n'oublierai jamais. Et le caméraman avait pris sa caméra, et ça devait être une éclair, parce que c'est à peu près la seule caméra qui permettait ça. Il y avait un chemin qui n'en finissait plus, avec à droite et à gauche des gens, des femmes et des enfants qui étaient vraiment en train de mourir de faim. Il est parti avec sa caméra et il a monté la côte. Et tout ce qu'on voyait, ça ne finissait plus. C'est un plan qui durait peut-être une minute et demie, deux minutes. Enfin, je le revois comme ça, deux minutes et demie. Tout ce qu'on voyait, c'était dans un silence qui n'était trompé que par le bruit des mouches, les fameuses mouches qu'on voit toujours dans les circonstances sur la bouche des enfants qui crèvent de faim. Alors on voyait le regard de ces gens-là qui était comme une interrogation qui s'adressait à la caméra. C'était quelque chose d'absolument saisissant. L'émission se termine, puis Pierre me dit à l'oreille, t'as 20, 25 secondes et quelque chose. Moi, d'une façon presque subliminale, je m'entends dire surtout, je m'entends parler d'Oxfam, je lui dis, si vous avez un vieux 2 $, à l'époque, il y avait des 2 $, je lui dis, n'importe quoi, vous pouvez l'envoyer à Oxfam. Ben, le lendemain, Oxfam était complètement inondé de contributions. Avec le Vietnam, arrivent aussi des images de guerre. La guerre en direct. Et puis, la violence. L'image devient un pouvoir. Là, ça commence à être un peu politique, les jeux, et ça commence à être même très tragique, là, quand on pense surtout à Mexico et à Munich. À Mexico, ce qui est arrivé, c'est que... Et pourtant, Dieu sait s'il y a eu très peu de publicité à ce sujet-là. Le gouvernement mexicain a réussi à couvrir tout ça. Et quand les jeux ont commencé, c'est comme si tout le monde avait oublié ces incidents-là. Les incidents, c'est qu'il y avait une révolution étudiante. Et l'armée s'en était mêlée. Ils ont nettement, les militaires, tiré dans la foule. Et on a dit après qu'il y avait eu, oui, mais quelques morts. Mais on a appris plus tard qu'il y en avait eu plus de 500 parmi les étudiants. And this time they get away cleanly. Il y a eu aussi le Black Power, il y a eu cet épisode-là du Black Power, avec Tommy Smith et John Carlos, qui ont montré le point sur le podium. C'était ça, après le 400 mètres, qui avait été gagné par Smith, et Carlos avait gagné la médaille de bronze. Et là, ils ont montré le point ganté de noir, et pendant l'hymne national, ils ont gardé la tête basse, ils étaient tous de noir vêtus. C'est là qu'on voyait l'impact de la télévision, finalement, déjà. Là. C'est justement là, parce qu'à cause de l'impact de la télévision, parce qu'à cause du satellite, on dit maintenant qu'il y a des milliards de personnes qui voient les jeux pendant... Alors donc, à ce moment-là, c'est évident que toute manifestation était vue dans le monde entier, et puis que les groupes terroristes, ou quels qu'ils soient, allaient utiliser comme tremplin les Jeux olympiques. Ça a commencé surtout à Mexico, mais ça s'est poursuivi de façon encore plus tragique par la suite. La télévision est la mémoire des temps modernes. C'est en grande partie à la télévision que nous avons appris à vivre ensemble les grands événements, heureux ou malheureux, qui secouent ou transportent le monde. Elle nous permet aussi de les revivre ensemble.
l'ensemble de la télévision dans le monde, il y a des grandes parties du monde qui nous échappent. Nous, on est privilégiés d'avoir un correspondant ou une équipe en Chine, ce qui est loin d'être le cas de plein de télévisions du monde qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas entrer là. C'est à cause des relations entre le Canada et la Chine que nous, on peut être là. On est à Moscou depuis plusieurs années. Mais quand on regarde des pays comme l'Inde, pas une grosse couverture de l'or, hein? Là, tout cet ensemble de pays, le Bangladesh, le Pakistan, etc., on a vu, vous en rappelez sûrement, des événements, par exemple, des catastrophes, des milliers de morts au Bangladesh. On n'avait aucun accès. On disait, on se réunissait, on disait, faut y aller, faut absolument. Il y a des dizaines de milliers de morts, ça se peut pas qu'on ne rende pas compte de ça, sauf qu'il n'y a aucun moyen de se rendre là. Pas possible. Alors, le monde rapetisse énormément, mais en même temps, il y a tout un paquet de choses qui nous échappent. Et il y a beaucoup d'endroits où nous ne sommes pas et où on devrait être présent. Tour de contrôle, j'aimerais signaler un objet non volant et identifié. Je répète, non volant et identifié. Over. Un objet volant non identifié, est-ce que j'ai bien entendu? Over. Négatif. C'est un objet non volant et identifiable. La télévision a bouleversé le monde qui l'a fait naître. D'une certaine façon, elle a été à elle seule une révolution tranquille, avant l'autre. 50 ans plus tard, a-t-elle tenu ses promesses? Duplessis n'avait pas besoin de mourir parce que les gens l'avaient foutu dehors de toute manière. Parce que les gens, en 10 ans, ont complètement transformé leur façon de penser, se sont ouverts sur le monde de façon incroyable. Et je suis sûr que je ne me trompe pas beaucoup, quand il y a eu l'Expo en 67, si les gens ont accouru à ce point-là, à l'Expo, c'est parce qu'ils avaient été préparés par 10 ans. Moi, je dis 10 ans parce que, c'était assez... Les premières années de la télévision, c'était assez chapelle. Il y avait peu de gens qui avaient le moyen de l'avoir. Mais c'est les dix années de télévision qui ont précédé l'Expo qui ont fait que les gens se sont précipités. Au fond, les gens sont allés voir le monde parce qu'ils avaient découvert le monde à la télévision. Radio-Canada, mon cher, c'est ce qui nous a fait, et beaucoup de monde l'ignore. La nationalité québécoise, elle vient de Radio-Canada. Avant la Révolution tranquille, l'installation de la radio d'abord, avec ses formidables événements d'émissions, l'installation de Radio-Canada a soudé les Canadiens français, en a fait une nationalité vraiment distincte. Et c'est comique, parce que c'est quand même des instruments fédéraux, comme l'ONF, mais c'est comique de dire que le nationalisme moderne, post-duplessiste, il a été fondé, installé, mis sur des assises, sur un solage extraordinaire, par une institution fédérale qui s'appelle la radio et la télévision de Radio-Canada. C'est extraordinaire de penser à ça. J'ai beaucoup réfléchi à ça parce que j'ai fait beaucoup, l'objet de beaucoup de critiques à Radio-Canada aussi. Et je me suis rendu compte qu'à une époque, au début de la télévision, les gens qui ont investi la télévision pensaient, grâce à la télévision, changer la société. Ils l'ont changé considérablement, mais pas nécessairement dans tous les aspects, dans le sens où ils voudraient. Et là, ils regardent les jeunes qui ne parlent pas bien français, ils regardent un certain nombre de choses, et c'est pas la société qu'ils avaient en tête quand ils ont commencé à vouloir la changer. Donc, la télévision n'a pas fait son travail. Mm-hmm. Mais il y a une certaine illusion de penser que la télévision va changer la société.
c'est un acteur important. Ça reflète la société. Ça contribue à changer. Mais je veux dire, mais c'est pas le système scolaire, c'est pas l'environnement politique. Il y a beaucoup de gens qui ont investi dans la télé pour qu'elle change la société à l'image de ce qu'eux voulaient que la société soit. Et c'est pas ce qu'elle est devenue. Et ils considèrent que c'est un échec de la télévision, en particulier la télévision de Radio-Canada, parce qu'il n'y a jamais personne qui a confié ce mandat-là au Canal 10. T'sais? Et je pense que ça joue là-dedans. Et ce que ça reflète, en partie, c'est l'importance peut-être même démesurée que la télévision a pris dans notre société. La principale qualité de la télévision et son principal défaut, c'est de normaliser à travers le monde l'American way of life. Parce que comme ils sont plus nombreux, ils sont plus puissants, bien, dans n'importe quel pays, tout le monde écoute sa musique locale, mais il écoute aussi Madonna, il écoute aussi, il regarde les émissions américaines, etc. Mais en même temps, ça a permis... moi, je suis sûr que la télévision, même quand elle est... une télé de variété, elle a une mission éducative, malgré elle. Ça te permet de voyager à travers le monde. Il y a des gens qui n'ont jamais sorti de leur maison ou de leur rue et ils ont fait le tour du monde à cause de la télé. On ne peut plus vivre sans télévision. C'est comme... Enfin, je suis capable de passer des journées sans l'écouter beaucoup, mais c'est une présence rassurante, la télévision. C'est ça qui nous... Parce qu'on est rendu un village global. C'est vrai qu'on est rendu le village global sur la Terre. Hein? Puis on veut savoir ce qui se passe chez notre voisin, puis on veut savoir ce qui se passe en Europe. Puis tout maintenant... D'ailleurs, c'est ça aussi, la communication qui je trouve, de nos jours, qui autant nous unit, nous désunit. T'sais? Quand les Arabes nous voient, on leur tombe sur les nerfs parce qu'il y a des images chocs, probablement de l'Amérique puis de l'Occident. Puis on a des images chocs des autres qui nous font encore plus qui font encore plus creuser le fossé le grand village, il est là, mais il y a des grands fossés entre chaque quartier du grand village. Puis je pense que la télévision ne joue pas nécessairement le rôle de rassembleur tout le temps. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est un peu le chaos. Là. Je pense qu'on va vivre le chaos une couple d'années. Là. Si la télévision, qui est sûrement la plus grande invention de toute l'humanité, nous donne juste ce qu'elle nous a donné jusqu'à maintenant, pour moi, c'est un peu comme si avec la roue, on avait fait juste des cordes à linge. Donc, on a encore bien du chemin à faire. Oui. Et tu sais, je pense que la télévision, qui est un moyen d'expression, un moyen de communication absolument... Trouvez-moi une invention dans l'histoire de l'humanité qui a l'importance de la télévision. Mais Dieu sait qu'on ne peut pas... Elle a beaucoup changé, notre télévision, depuis 50 ans. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec la télévision. Il s'agit de le trouver. Il s'agit de s'arrêter et de ne pas se contenter de répéter nos succès. Il faut prendre des risques. Parce que dans les risques qu'on va prendre, il va y en avoir des succès. Au cours de cette série, je vous ai présenté les témoignages d'une quarantaine de ces artisans qui ont inventé, qui ont bâti, qui ont fait notre télévision. Mais le mot de la fin, il appartient à ces milliers d'autres qui, au cours de ces 50 ans, par leur travail effacé, derrière la caméra, sont tout autant partis de cette grande aventure. En votre nom, je leur dis merci. Merci de nous avoir donné cet extraordinaire outil de divertissement, d'information et de culture. Et que ça continue. Bonsoir et merci. Pour moi, c'est une bénédiction d'avoir été un petit engrenage dans cette roue, dans cette machine extraordinaire qui a été le Réseau français de Radio-Canada. J'ai été partie de ça, là. J'étais là quand ça s'est fait. Radio-Canada, pour moi, c'était tout. C'était la culture, c'était la grande image, c'était probablement le médium d'information le plus influent. Et c'était le médium d'information qui allait pouvoir faire évoluer notre peuple. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
danger, c'est que par exemple, on nivelle toujours par le bas puis qu'on aille juste vers la cote d'écoute, justement. Je pense qu'il faut éviter à tout prix, ça a l'air bizarre que je dise ça, moi, mais je pense qu'il faut à tout prix éviter la cote d'écoute. Et je ne veux pas plaider juste... Ça, je n'en parlerai pas. Mais je veux juste parler de... C'est important qu'il y ait une télévision d'État qui soit forte. Sa plus grande qualité, je pense, de la télévision, c'est le plus grand défi, encore là, relié à chaque jour, à être à l'écoute, de pas se détacher de ça, de continuer à être un mutant extraordinaire. C'est très difficile pour nous parce qu'on a un devoir lié à ces moyens-là. Je pense qu'on a un devoir de dépasser les standards et d'être toujours le standard, la référence.